Frank, dit l'élégant, un tueur à gages un peu maladroit, vient de voler la mallette pleine de lingots qu'il devait livrer à Harry, dit Dédé, un mafieux belge en transition personnelle, à la suite d'un déboire sentimental, pour le compte de Simon, dit Le Roquet, un petit escroc de la banlieue nord en mal de gros coups. En chemin, Frank a fait une escale chez Yuri, dit le Russe, un psychopathe notoire qui trempe dans tous les trafics pour lui acheter une arme. Mais Frank ignorait qu'il s'agissait d'un coup monté par Vince, dit le Mac, une petite frappe accro au jeu à gratter afin de le délester de sa mallette et refourguer son contenu à Jeannot, dit le Turc, un receleur roublard et avare qui a un problème avec Yuri qui refuse de lui payer ce qu'il lui doit pour son dernier contrat. Apprenant ce qui se passe dans son dos, Richard, dit tête de pioche, en raison de ses opinions philosophiquement tranchées, débarque en ville, bien décidé à récupérer sa mallette, volée par Frank pour le compte de Simon, en réalité qui travaille en sous-main pour Vince, qui croule sous les dettes de jeu. Mais Richard, fraîchement débarqué de sa campagne, ignore que Vince veut récupérer la mallette et qu'il s'est associé au Turc afin qu'il écoule les lingots d'or. Contre Yuri, qui s'est accoquiné avec Simon pour éliminer Frank et par là même reprendre le magot de Richard, convoité par Harry, qui est à deux doigts de se mettre en colère vu qu'il n'a toujours pas récupéré sa mallette. Mais Frank, apprenant l'arrivée en ville de Richard, va se débarrasser de Yuri et s'associer avec le Turc contre Richard, laissant Simon en galère avec Harry, qui lui en veut vu que Vince sortait avec sa sœur sans la permission de ses parents. Dans la confusion, Frank en profita pour récupérer la mallette et son contenu, pendant que Simon et le Turc réglaient leur compte en raison d'un différend orchestré par Harry et Yuri afin de récupérer l'or de Richard volé par Frank. Bref, vous comprendrez mieux en allant voir L'Embrouille, un film d'homme avec des magouilles. Prochainement, dans votre salle.